Alors bonsoir, Assoya, c'est un privilège pour moi personnellement et un privilège pour bottinhaïtien.com, Assoya, pour nous parler avec un grand parmi les grands artistes haïtiens, Monsieur Hervé Le Breton. Et Assoya, c'est pour la première fois que caméra pour entrer la caille Hervé Le Breton parce que ça pourrait jamais fait et c'est bottinhaïtien.com qui gagne privilège ça, qui gagne chance ça. Pour nous entrer la Kylie. Et le nous entrer la Kylie, nous était très très impressionnés pour nous ouais, des documents, les œuvres de Monsieur Hervé Le Breton, qui est un artiste peintre, qui est chanteur, compositeur, danseur, enfin, son artiste qui est tout l'un, une seule personne. Alors tout à l'heure, nous pourrons rencontrer lui, et puis nous pourrons visiter tout, toute œuvre Lio, et puis nous pourrons voir qui est Hervé Le Breton. Gemoun qui pourra le saisir, Gemoun qui pourra rappeler des souvenirs, qui est-ce qui est Hervé Le Breton. Et pour Genio, c'est une occasion, nous-mêmes, pour nous toujours cliquer sur bottinhaïtien.com, pour nous voir qui ça, la génération maman nous, la génération grand-mère nous, qui ça qui était qu'on fait la communauté haïtienne et surtout en Haïti, le Haïti terrelé la perle des Antilles. C'est seul bottinhaïtien.com qui a fait ça. Hein? Alors nous allons parler tout de suite avec Monsieur Hervé Le Breton. Bonsoir Hervé. Bonsoir Charlotte. Hervé qui j'en ai. Mes chéris, très bien, surtout que mon façon. Oui, et puis son privilège pour moi, Assoya, parce que ça fait longtemps nous voir. C'est gentil, Charlotte, c'est vrai, tu as raison. Alors grâce à bottinhaïtien.com, vous pouvez découvrir qui est-ce qui avait le bouton. Les gens qui connaissent déjà pral saisi, vous pouvez le content, ou. Et pour les gens qui pourront connaître, vous pouvez le qui est-ce qui avait le bouton. Hervé Le Breton, c'est qui est-ce lié? Hervé Breton est un artiste depuis son enfance qui a toujours, penché sous la femme. Et quand je dis femme, une bonne raison qui fait me dire bien simple, c'est que je me songeais à l'âge de 12 ans, maman me dit, Hervé, sois gentil avec les femmes, mais il faut l'être sincèrement. Il faut donner ce que toi tu as reçu de nos autres et tu verras que avec le temps, on a toujours un qui chanceux parce que la femme mène le monde et quand on est en harmonie avec la femme, on a l'impression qu'on est qui toujours chanceux. Et la preuve que depuis mon condor, nous toujours une chance Oui. parce que nous traitons Jean pour nous traitons Charlotte. Oui, alors c'est justement, nous allons venir parce que, avec bien content de répondre moi comme ça, parce que mon livre que M. Gérard Etienne écrit sur vous, qui est la politique de la femme. En effet. Alors c'est là tout ça venait, la politique de la femme. Voilà. Alors, le livre, ça allait parler de quoi? Le livre parle de la poétique de la femme. Qu'est-ce que c'est que la poétique de la femme? C'est tout ce qui concerne la vie philosophique, sexuelle, psychologique, professionnelle, sociale, amoureuse, et ainsi de suite, etc., de la femme. Autrement dit, ce qui touche à l'esthétique et la beauté de la femme. Alors, c'est ça la poétique. On peut s'attarder énormément à décortiquer la poétique de la femme, mais pour être plus bref, la poétique de la femme, c'est ce qui concerne, ce qui entoure la beauté de la femme. Oui, mais qui j'en fait ou même ou joindre côté ça que l'autre garçon pas qu'à joindre et beaucoup de femmes. Bon, Charlotte, son question très intéressante, mais qui est très délicate, parce que je ne peux pas les répondre à la place de d'autres nègres, de d'autres hommes. Mais moi, ce qui me concerne, j'ai été bien choyé par ma mère, qui est une femme. J'ai été bien choyé par ma soeur, qui est une femme. J'ai été choyé par mes cousines, je peux les citer à ce moment-là, puisque c'est des Crépsac, où j'ai très jeune servi de chaperon, et qui, moi, m'a permis d'être, de me sentir important
Parce que l'homme chaponné une fille, et malgré qu'on pipiti passe, on a l'impression qu'on a un rôle. Et le fait qu'on m'ait donné ce rôle-là, ça m'a fait grandir. Et le fait aussi d'avoir été très bien entouré, de bien traité de ces femmes-là, ça m'a fait encore grandir. Et au fur et à mesure que je grandissais, avec les femmes avec qui j'ai grandi, qui m'ont entouré, qui m'ont appuyé, qui m'ont affectionné, c'est la résultante de ce que je fais aujourd'hui. Parce que je dis une chose, aimer une femme, c'est facile. Tous les hommes aiment les femmes. Mais la différence existe entre aimer une femme pour l'aimer et aimer une femme parce que d'abord on la vénère. Okay. Donc, quand on aime une femme et d'abord qu'on la vénère, on ne la traite plus de la même façon. Okay. Mais et pour qui ça fait que tout l'autre gars ne va pas vénérer les femmes parce que c'est femme, bon, majorité garçons haïtiens élevés par des femmes en Haïti. Comment ça se fait tout garçon pas qu'à jouer côté ça, côté, et en tout cas, me trouver qui extraordinaire, la caillou fille, parce que actuellement, entre filles et garçons haïtiens, nous ne pas nous du tout. Alors, est-ce que côté ça, pas qu'à plus sortir là qu'au garçon pour ne pas entendre nous bien là, pour ne pas avoir une vie beaucoup plus harmonieuse maintenant? Eh bien, vous posez une belle question et. Charlotte, j'ai l'impression que c'est un effort à ce moment-là pour garçon en fait sur lui-même. Parce que ce qu'on nous enseigne dès notre enfance est une chose. On nous donne des indices pour grandir. Mais pour continuer à grandir, ce qu'on nous a inculqué ne suffit pas. Il faut se documenter. Et Kounia Gomba a peut-être qu'à plaire, même dire sincèrement, la meilleure façon pour un homme de s'éduquer, c'est de consentir à être éduqué par une femme. Ah. Moi, tout ce que je sais aujourd'hui sur la femme m'a été inculqué par des femmes. D'abord, parce que j'ai dit de mon enfance, d'abord, pour faire une suite par mes cousines dont j'ai parlé, mais aussi mes amis d'enfance. Et le parcours que j'ai fait durant ma vie, puisque j'ai beaucoup voyagé, et les femmes ont continué à m'inculquer ce que moi j'ai appris, et je continue encore à apprendre de par tous ces gens qui m'ont appuyé. Je parle de toutes les femmes, je ne peux pas toutes les énumérer, ce serait une chaîne sans fin, malheureusement. Mais heureusement que ces femmes, ces amis qui m'ont appuyé, qui m'ont toujours aidé dans tout ce que j'ai fait dans la vie, je parle des femmes comme toi, Charlotte, je parle comme tant d'autres femmes, jusqu'à arriver à ma propre femme et ma propre fille, et encore, je continue à apprendre, et c'est ce qui, définitivement, me permet de peindre, de projeter ce que je fais sur la dimension, la morphologie, l'anatomie, l'expression, la physionomie. En fin de compte, il y en a tellement de disciplines sur la